Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment crocheter un rond de bride sans démarcation. Alors si vous êtes débutante, je vous invite d'abord à apprendre à crocheter un rond de bride avec la méthode classique. Vous pouvez la retrouver dans cette vidéo qui s'affiche. Elle est rangée dans la playlist des formes au crochet. Et si vous connaissez déjà la manière de crocheter un rond de bride mais que vous n'êtes toujours pas satisfaite par cette petite démarcation qui se forme au début et à la fin des tours, alors vous allez adorer cette astuce qui non seulement vous permet de crocheter un rond de bride sans avoir les démarcations, mais en plus présente un deuxième gros avantage, celui de vous affranchir de décaler les tours pour ne pas obtenir d'hexagone. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. Alors, pour crocheter ce rond de bride, j'ai utilisé de la ficelle qui se crochette en 3,5 mm puisque je vais utiliser ce rond de bride comme base pour faire ma corbeille que je vous explique dans cette vidéo. Alors, on commence par faire un anneau coulant. On a déjà vu cela dans la playlist des bases du crochet. Deux mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et 11 brides dans l'anneau. Voilà, donc si l'on compte les deux mailles en l'air du début, nous avons bien 12 brides dans l'anneau. Donc on prend le fil de début et on serre fortement pour resserrer le tour en rond. Et au lieu de fermer le tour par une maille coulée, on retire le crochet de la boucle. On ne va pas piquer dans les deux premières mailles en l'air, mais dans la bride suivante, de l'arrière vers l'avant, on reprend la boucle que l'on repositionne sur le crochet et l'on tire vers l'arrière. Alors vous voyez ce brin que l'on vient de créer, il correspond à la dernière maille du tour. C'est donc là que l'on va piquer notre dernière maille de ce tour. Et l'on pique la première maille de ce tour dans la maille dans laquelle on a fermé le premier tour, donc celle-ci. Et l'on fait une maille serrée. Et puis une maille en l'air. Donc c'est une fausse bride, on avait déjà vu cette technique dans cette vidéo, c'est la technique numéro 2. Ensuite, on continue en respectant la règle des augmentations pour crocheter un rond de bride que l'on a déjà vu dans cette vidéo. Donc, pour ce deuxième tour, on doit faire une augmentation dans chacune des 12 mailles du premier tour. Donc, une bride supplémentaire au même endroit, ce qui compte pour une augmentation. Puis, deux brides dans chacune des mailles suivantes. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon tour. Alors, attention de ne pas oublier de crocheter cette dernière maille qui a été créée donc au moment où on a fermé le tour. Donc, je fais deux brides au même endroit. Voilà. Et maintenant, je peux fermer mon tour avec la même technique que tout à l'heure. Donc, pas dans la première fausse bride, mais dans la bride suivante. On retire le crochet de la boucle
et l'on pique dans la maille par l'arrière. On reprend la boucle et on la repositionne sur le crochet. Puis on tire vers l'arrière. Donc ici, c'est la maille que l'on vient de créer en fermant le tour. Donc il ne faudra pas oublier de la crocheter à la fin. Et l'on pique la première fausse bride dans cette maille où l'on a fermé le tour. Une augmentation dans la maille suivante et ensuite on continuera normalement comme pour faire un rond de bride normal, donc une bride toute seule, puis une augmentation, etc. Alors me voici à la fin de ce tour. Ne pas oublier de crocheter la dernière augmentation là où l'on a créé le brin lorsque l'on a fermé le tour précédent. D'ailleurs, vous pouvez y mettre à chaque fois un anneau marqueur. On retire le crochet de la boucle, on pique dans la bride qui suit la première fausse bride par derrière, on attrape la boucle, on la repositionne sur le crochet et l'on ferme le tour. Pour le quatrième tour, on continue d'appliquer la règle des augmentations pour crocheter un rond, mais le deuxième gros avantage avec cette astuce du rond crocheté sans démarcation, c'est que l'on n'a pas besoin de décaler les tours paires pour ne pas obtenir d'hexagone, mais bien un rond bien rond. Parce qu'en fait, avec cette technique, les tours sont automatiquement décalés à chaque fois. Donc je commence par faire ma fausse bride ici. Puis une bride dans la maille suivante. Et une augmentation dans la maille suivante. Et je vais répéter donc ce groupe. Une bride dans chacune des deux mailles suivantes. Et une augmentation dans la maille suivante. Et ainsi de suite. Et je termine par une augmentation dans le brin que l'on a créé au moment de fermer le tour précédent. Et l'on continue avec ce même système pour les tours suivants. C'est-à-dire que comme les tours sont décalés automatiquement, on a juste à ajouter une bride avant l'augmentation à chaque tour. Donc ici, pour ce cinquième tour, ce sera une bride dans chacune des trois premières mailles, puis une augmentation. Puis pour le tour 6, ce sera une bride dans chacune des quatre premières mailles, puis une augmentation. Etc. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. À bientôt!